Bon, voilà, c'est le lézard sauvé. Alors, enfin, le petit, je ne veux pas aller. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le crocodile. Mais ça a l'air de monter beaucoup plus loin. Prochaine cible, c'est le premier. Et là. Ah, c'est un moment de quelle couleur encore. 24 à 6. Non, bah on va aller à Trium. Bon, petite session balade. Hein. Dégagez le passage! Vous auriez dû vous tuer! Soyez prêts à faire mouvement! À vous de crever maintenant! Les vermines nous observent sûrement. Nous avons enfin réussi. C'est les mecs qui se mettent pour rien. On va aller là, sans premier lieu. Reculez! Ceci ne vous concerne en rien. Continuez à faire ce que vous faisiez. Voilà, comme ça, on pourra se péter ici, si on a besoin d'une idée.
Et c'est lui, il y a beaucoup d'eau après lui. La ville est informe. Un autre meurtre. Paramon, c'est horrible. C'est le jeune prêtre du temple. Que les dieux nous protègent. Et donc, il ne fallait pas être prêtre à cette époque. Hein, parce que... Entre Bayek qui fait le ménage et ceux qui sont assassinés. Allez, à plus une fois. Voilà. J'adore aller emmerder les crocodiles. Voilà, enfin, dans le Fayoum. Je vais éradiquer les hommes du crocodile. C'est tout mon sérieux. Alors, le crochet fixé de cette arme est parfait pour ce qu'on est mis, c'est juste un homme ou d'un autre. C'est de l'hémorragie. La mienne est plus jolie aussi. On va prendre celle-là quand même. Faut que je trouve un forgeron, voilà. Je ne suis pas le premier visiteur aujourd'hui. Gotefres! Nek, il n'est pas là. Il faut que je trouve où est mon informateur. Il a quand même une peau de tigre blanc.
beaucoup de dégâts, mais pas de sang, ni de traces de lutte. Peut-être a-t-il pu fuir avant. Ces rouleaux ne m'apprennent rien d'utile. Je devrais aller voir là-haut. Oh, qui a pu faire une chose pareille? Qui protégeais-tu, mon ami? Non, j'ai tué le petit chien. Je vais leur faire payer, voilà. On ne tue pas les petits chiens. Une poupée d'enfant. Ah, je vais tuer ce Neketiadette de crocodile. La prospérité pour tous. Avec l'augmentation des achats de terres égyptiennes. Des rouleaux et de l'encre. Ah, rien qui m'apprenne où est passé au Téfrès. Ah, des plumes. Un pigeon voyageur. La sécurité pour tous. Grâce à une présence militaire accrue dans tout le Fayoum, la vie est plus sûre pour chacun d'entre nous. Les petits égyptiens sont rasés, reconstruits ou déplacés. Les implantations grecques sont plus sûres que jamais. La sécurité... Alors, la tristesse par haute presse. Le crocodile, c'est qui je suis. Un de mes serviteurs a déjà été arrêté par les soldats sous une fausse accusation et emmené dans un camp militaire voisin. Crocodile, si tu tiens absolument à creuser les pieds avec moi, tu vas devoir m'attraper. Un message laissé par mon informateur. On dirait qu'il a pu fuir. Mais les soldats ont pris son serviteur. Si le serviteur est toujours en vie, il saura où est Otefres. Il doit être prisonnier au camp militaire voisin. Niveau 27. Ouais, j'arrive à monter là. J'attaque à vue par ici. Ah,
Voilà, déjà on va piger ça. Voilà, alors. Ce magnifique assassinat. Il y en a un qui est mort là. Je me débarrasse de ces deux-là. Voilà. Voilà, ça t'apprendra à être un peu plus sérieux au travail. Pitié. Je te dis tout ce que je savais. Qui es-tu ?
Un ami. Ne bouge pas et tais-toi. Je vais te sortir d'ici. Les dieux te bénissent. C'est Otefres qui t'envoie ? Non, mais je dois le trouver. J'ai besoin de lui pour traquer le crocodile. Tu peux m'aider ? Tu tiens debout ? Oui, Otefres est sur le lac Moeris. Il convoie une grande statue qui porte notre marque. Le crocodile a engagé des mercenaires pour le retrouver. Alors je dois faire vite. Va te mettre à l'abri. Sois prudent. Là-bas. Alors, lui, il travaille. Je vais m'approcher un peu pour qu'il n'y ait pas de soldats. Qu'est-ce qu'il fait ? Il n'y a pas de garde. Ça, ils envoient un fils d'Égypte de m'affronter. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas versé tant de sang. Je viens de la part d'Apollodorus. Nous avons un but commun. Qui es-tu? Et que me veux-tu, hein? Je suis Bayek de Siwa. Je cherche des informations sur le crocodile. Le fantôme qui a mis le Fayoum à genoux, qu'est-ce que tu lui veux? Fait partie d'un groupe qui détruit l'Égypte. Je vais les traquer et les éliminer jusqu'au dernier. Bayek de Siwa, tu ne sais pas à qui tu te mesures. Le crocodile a transformé les terres, mais aussi les gens. Ceux qui ne tremblent pas de peur sont forcés à travailler pour lui. Et tu n'as aucune idée de qui est le crocodile? J'ai volé un registre à un magistrat grec que je soupçonne de corruption. Il devrait révéler l'identité de ce crocodile. Et si nous l'apportons à Apollodorus, nous pourrions faire tomber toute l'organisation. Où est ce registre? Ma femme Kenout l'a caché. Tant que les sbires de Ptolémée pensent que je l'ai, ma famille ne craint rien. C'est pour ça que je me déplace sans cesse. Tiens, ça prouvera à Kenout que tu es digne de confiance. C'est pour ma fille Shadia. Lorsque tu l'auras, retrouve-moi sur les quais au sud de Emeria. Bayek, inspecte mon bateau avant de partir. Je recense tous les problèmes de la région dont le crocodile est sans doute responsable. Ça pourrait t'intéresser, Medjay. Ouais, je peux prendre les flèches déjà. Alors, les disparus de Dionysas. La population du village entier de la région de Dionysas a disparu. On parle de dieux et de démons, de caravansérail, de Dionysas, quelqu'un en sait peut-être. Les populations de villages entiers de Psenéris sont disparues. Au caravansérail, on parle d'une invasion de démons. Des démons? Je n'en ai jamais vu. Mieux vaut aller vérifier ça. Non, t'as juste vu un certain jeu. Quoi, niveau 39?
qui est dédié ce sanctuaire? Je prie et me recueille pour les victimes des incendies de Dionysia. Quelqu'un met le feu aux fermes. Toi, Medjay, tu peux arrêter ça. Je vais essayer de t'aider. Nick Ennis, c'est Jerriette. Qu'est-ce que tu fais? Un mystérieux fléau frappe les pauvres gens de Emeria. Leurs corps sont brûlés, leurs âmes damnées pour l'éternité. Ils n'iront jamais dans les champs de roseaux. J'essaie de leur trouver un remède. Il en existe toujours un. Je dois juste trouver la bonne combinaison. Brûler les morts? Pourquoi une telle folie? Bon, aller chercher Kenny. Et si j'arrive à trouver un forgeron en ce moment. On va faire tout le chemin. Alors, si je trouve pas le forgeron, allez, on a le soldat, on va tuer. Ah, il est là. Voilà. Bonjour, mon ami. Alors, ça devant. Ouais. Ça devant. Ça devant. Ça devant. Vendu. Ça devant. Ça devant. Très bien. Ça devant. Vendu. Ouais. Très bien. Ouais. Ça je vends. Très bien. Ça je vends aussi. Ça je vends trois. Très bien. Alors, on y va. Le plus 4. Je sais maintenant, non moins. On peut être frotté, ma hâte fait péter ailleurs. C'est net, je sais. Allez, c'est bon, c'est très bon.
Ah, bonjour mon ami. Qu'est-ce que je peux pour toi? Ouais. Vendu. Ouais. Il y a un grand une lame de pêche marine. C'est bon, c'est bon. Au revoir. Nick Ennis, c'est Jerriette. Ah! J'aime Ennis. Bon, bah, je suis reparti pour la balade. Voilà, voilà, voilà. C'est mon chameau qui donne des coups de boule. Et il cherche encore lui. Aïe. Alors, où est la prochaine ville? Je synchronise en même temps, comme ça, ça me permet de... Ça m'a l'air d'être fait ça. Oui.
Ah oh bah monsieur, il avait fait sa verre. Ah bah les mecs ils sont en arrière quand même. Allez, tu vas. J'ai vu ces bêtes de mes propres yeux. Hors de mon chemin! Laissez le passage, parole! Ah, tu me dis. Dégagez le passage. À quoi est-ce que tu souffres? On est plus très loin. Mais merde. Partez, allez. Il faut nettoyer cet endroit et le remettre en état au plus vite. Je vais les synchroniser d'abord et ensuite j'irai voir la femme. Si je peux. Je vais faire une garde. Par moment. Dieu.
tête d'un gardien. Mon aimé, je t'imagine souffrant dans ton lit, dans ces maudites vies. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai trouvé du travail ici, comme gardien d'une tour dans le port. La nourriture et le logement me prennent une bonne part de ce que je gagne, et je remercie les dieux de leur bonté. Je t'enverrai ce que j'ai pour eux. Je dois travailler beaucoup, et je ne sais pas quand je pourrai venir te voir. Je ne suis pas mécontent d'avoir quitté cet endroit, sans regarder souffrir jour après jour sans pouvoir faire appel à un guérisseur, c'est un vrai tourment. Au moins maintenant, tu auras peut-être de quoi acheter des remèdes. Et cette idée me fait du bien. Est-ce qu'on me parle plus de prospérité pour tous? Si j'entends un grec se plus lamenter, je lui arrache le visage. Mais là. Prospérité pour tous, on n'a pas de grain. Ne t'en fais pas. En aucun cas, je ne les laisserai fermer cette cuisine. Bonjour, madame. Kenout? Oui. C'est Otefres qui m'envoie. Je suis là pour t'aider. Et j'ai la poupée de ta fille. Bien. J'attendais des nouvelles de mon homme. Je t'en remercie. Viens manger, nous avons à parler. Bon, enfin, quelqu'un qui propose à manger. J'adore ma nouvelle poupée, Bayek. Je vais l'appeler Izette. Et maintenant, c'est elle qui va protéger tout le Fayoum. Depuis qu'Otefres s'est emparé de ce registre, le Fayoum est à cran. Des soldats armés de torches patrouillent toutes les nuits. Ce sont eux qui ont détruit cette cuisine qui doit nourrir les miséreux. Au moins, ils ne s'en prennent pas à Shadia ou à moi. Mon mari Otefres y a veillé. Où se trouve le registre? J'ai chargé notre plus fidèle serviteur de le cacher dans notre villa. Ils peuvent fouiller les lieux autant qu'ils le voudront. Ils ne le trouveront jamais. Tu peux m'y conduire? J'ai été convoqué au phare pour une autre de leurs enquêtes de routine. Ah, ça pourrait être dangereux. Les hommes de Ptolémée sont sans doute de mèche avec le crocodile. Ça arrive très souvent par ici. Ne t'en fais pas. Je suis sûre qu'ils n'oseront pas s'en prendre à quelqu'un qui porte un titre officiel. Shadia, montre à Bayek comment aller chez nous. Ah, viens, oncle Bayek! On peut voir ma maison du haut de ce toit. Suis-moi! J'espère que tu n'as pas le vertige. Guide-moi, petite. Je te suivrai. Où t'as appris à grimper comme ça? Ça a l'air amusant. Tu viens souvent ici. Tout est si beau vu d'ici. Les gens y devraient être heureux, mais non. Ne t'en fais pas. Ton père et ta mère vont prendre soin d'eux. Où est ta maison? Sur la colline, là-bas. Tu la vois? Oui. Et je vois des soldats. Merci, Shadia. Tu devrais aller retrouver ta mère. Ça risque de devenir dangereux. Il peut rien m'arriver de mal, tu sais. Izette, elle sait se battre. Elle va me protéger. La 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 la. Au revoir, Shadia. Toi et Izette, profitez bien de la vie.
Alors, rouleau de Chagas, les documents présentent des sujets très variés, des méthodes agricoles à l'équité en vigueur à la cour d'Alexandrie, probablement données à Chagas pour qu'elle les utilise. Les chats et autres animaux ont été exécutés sur les bords. On arrive, les deux là, les deux ici, les deux là. Je ferais bien d'être prudent par ici. Mais non! Ah, qu'est-ce que tu fais? Moi. On a retrouvé le registre? Pas encore, mais ça ne va pas tarder. Le capitaine est en train d'interroger le serviteur là. Ces idiots qui se battent. Regarde ces crétins d'Égyptiens. Le sang de Kenouth est scellé. Leur loyauté les enverra à la mort. T'aurais pas dû t'éloigner des autres. Où est-il? Ils ont dit qu'il était ici. Ce mec qui dit tout là. Les serviteurs ont tenté de barricader les portes. Ils s'y sont pris trop tard. Journal de Chagas. J'aimerais que père puisse rentrer à la maison. Il me manque. J'aimerais bien lui montrer ma nouvelle poupée, mais j'ai une idée.
J'ai entendu Merde dire qu'il allait chercher ce rouleau pour lui. Alors je vais les aider. Si je les garde, Père n'aura pas son petit pour eux et il pourra rentrer à la maison. Par les dieux, c'est Shadia qui l'a écrit. C'est elle qui a le registre. Et je l'ai renvoyé auprès de sa mère. Il faut que je trouve Kenut avant les soldats. Oh, Shadia. Qu'as-tu fait, petite? Tu n'es pas de taille à jouer avec le crocodile. Tu as vu Kenut? Elle est ici? Les soldats sont venus et l'ont emmenée au phare. Avec Shadia. Kenut a plaidé sa cause, mais ils l'ont pas écouté. C'est très inquiétant. C'était jamais arrivé auparavant. Va prévenir au Tefres. Vite! Ah, Paramon! Kenut et Shadia sont au phare. Il faut que j'y aille tout de suite. Mec! Mec! Halte! Ne bouge plus! Donc il y a ceux de là, lui devant et lui dedans. Par les dieux, qu'est-ce qu'on a fait? Calme-toi, frère. C'est le crocodile qui l'a fait. Pas toi, ni moi. C'est que ça devait être nécessaire. Quoi? Ça crève.
m'a tout balancé dans la figure. Et là, monsieur, toujours le gros malin. Et voilà. On ne tire pas. Voilà. Ah, c'est trop tard. Shadia, allez là-bas, on va aller la récupérer. Elle a peut-être une chance que ce soit vivante, hein. Bah, je pense pas. Hein. Tout est fini. Le crocodile a gagné. Le registre est perdu. Ma fille, ma Shadia, ce monstre nous a tout pris. Il va payer pour ça, lui et tous ceux qui le servent. Ça ne nous ramènera pas, Shadia. Non. Mais au moins, tu auras la consolation de la vengeance. On l'aura tous les deux. Je l'espère. Je ferai tout ce que je pourrai pour t'y aider, frère. Kenno, t'as pu t'apprendre quelque chose ? Seulement que les soldats étaient avec d'autres hommes. Des guerriers.
de grande taille. L'un d'eux était roux. Des bandits? Des soldats? Je crois que c'était des gladiateurs de l'arène de Crocodilopolis. Apparemment, ce monstre aime faire appel à des combattants. Je vais le trouver, ce monstre, mon ami. Et il mourra. Bon, bah voilà. C'est dommage pour la petite, hein, franchement. Apparemment, ils aiment bien tuer les enfants dans le jeu. Ah, c'est dur. La petite, elle s'en fout. C'est où elle s'en fout? Je suis le plus important dans les équipes. Je vais mettre ça sur le morceau discret. Normal. Ah, je peux augmenter mon bâton. Normal. Bon. Les catalogues, je pense que je vais faire un autre. Parce que là, je fais, 3 ou 4 vidéos de catalogues, pas franchement assez. Et la prochaine fois, on ira, dans l'arène de Crocodilopolis. Et je pense qu'on aura un petit combat avec l'aviateur. C'est fort probable. Bon, allez! C'est tout. Allez, salut.